De là où le temps reste du vent offshore ce matin sur les canaux, bonjour à toutes et à tous et bon mardi, un mardi qui commence avec un temps qui est dégagé timidement variable, une température extérieure à 12 degrés, une température de l'eau à 15, un petit 16 degrés, une marée qui commence à peine à descendre, le plein bas est à 11h50 avec des coefficients de grande marée 106, sur ce début du descendant le vent est offshore avec un secteur est gentiment modéré, il y a un petit de Beaufort, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses et on a une houle longue de 13 secondes de période, orienté ouest-nord-ouest à ouest, qui rentre en ligne, qui est à la hausse, qui est dans les clous par rapport aux prévisions. Il y a 1,20 m en déferlement régulier, 1,50 m sur la majorité des séries, il peut traîner par moment 1,80 m, mais de manière assez rare. Ça tourne plutôt aux alentours de 1,50 m. C'est une houle qui rentre quand même bien de face, bien en ligne. Au bord, ça ferme quand même beaucoup. Et les meilleurs bancs du large s'activent sur les séries et proposent des vagues qui sont molles, qui enchaînent un peu les pics, mais qui arrivent à dérouler. Donc il y a quelques vagues à attraper au large, la barre est facile à franchir, les vagues ne sont pas particulièrement sélectives, il n'y a personne à l'eau, personne qui check. L'évolution pour le reste de la journée, la houle va grossir, au dernier relevé, la boue Arcachon était nettement à la hausse à 2,40 m et 9 secondes, ça ne doit pas être loin de son maximum. Le vent, lui, est attendu offshore toute la journée. Donc les prévisions à 13h, c'est 1,50 m à 2 m, houle ouest-nord-ouest à ouest, 13 secondes de période, vent d'est à 2-3 Beaufort. Et à 17h, 1,50 m à 2 mètres, houle ouest-nord-ouest à ouest, 13 secondes de période, vent de sud-est à 2-3 Beaufort. Il y a du surf et de l'action toute la journée, mais il faut s'orienter sur les meilleures bandes de sable. Et sans doute que la meilleure configuration aujourd'hui, c'est sur le large. Prochain point à 8h20.